Bonjour tout le monde. Et ça fonctionne. Salut tout le monde. Salut Tanous, tu vas bien? Hop, salut Acta. Bon, ça va, ça va. On a presque terminé le premier DLC. Encore 20 minutes. Ouais, ça dépend quand je dois aller, quand je dois faire 2-3 trucs, oui. Mais là, j'étais à l'heure aujourd'hui. Tout va bien. Bon. C'est le souci de pas mettre de chrono, tu sais. Ouais, c'est bon, j'ai le temps. Et puis c'est dingue à quel point 15 minutes ça passe. T'es sur Ring City? Non, pas encore, je suis sur le premier DLC pour l'instant. Ah, chez OS, ça. On l'a commencé samedi, on a fait les 3 quarts, là il nous reste grosso modo ce boss là. Et on a une petite zone à explorer, je vais faire ça tout de suite. On va recommencer depuis le début. Il est bien alors, il y a beaucoup de contenu. Il n'y a pas énormément de contenu, j'ai l'impression. Par contre, la zone est vachement soignée. Elle fait beaucoup penser au monde peinture du premier. Sur un petit village, sur sa construction, tout ça. Se sent pas. Je sais pas combien il était vendu indépendamment par contre. Moi j'ai pris le season pass directement. Il y a quelques zones qui font vachement penser à Bloodborne aussi. Ça c'est cool. T'as une barre de vie plutôt sympa. On a mis... c'est vrai qu'avec... Il y a eu plusieurs jours sans Dark Souls, tout ça, donc ça fait un petit moment ouais, qu'on s'était retrouvé dessus. On a 25 de Vita. Ah, j'étais un peu fragile quand même, question PV. Donc je visais 1000 points de vie et puis ça fera la peine. Pour les prochains jours, là on est lundi 21. Au maximum, on va faire du Dark Souls jusqu'au 23 au soir. Le 24, je vais faire autre chose, histoire de décompresser et tout ça. On fera Far Lone Sails, qui est un petit jeu d'aventure tout mignon. Et qui est vachement cool. Et on fera celui-là, puisque le 1er mars, on fera le Far Lone Sails 2, dont j'ai oublié le nom. Pareil, super chouette. Très jeu contemplatif. Ça devrait pas être très long, hein. Far Lone Sails prend quelque chose comme 4 ou 5 heures. Et normalement, d'ici mercredi, on aura un meilleur éclairage. Hello there. Hey, salut Stevie. Tu vas bien? Ouch. Alors, dis-moi. Horizon, Thanos, qu'est-ce qu'il donne?
Vas-y, rends-moi jaloux. Et sublime. Oui, écoute, ça va. Comme par habitude ces derniers temps, la nuit fut absolument pourrie, mais sinon tout va bien. L'histoire est juste somptueusement travaillée, je trouve. En tout cas, j'ai du peu que j'ai avancé dessus. Ok. Plus qu'à espérer, enfin j'ai plus qu'à espérer que le jeu arrive sur PC assez vite. Je trouve une PS5 quelque part. Ah oui, ça c'est deux zigotos. Dialogue et écriture sont terribles. J'ai tellement hâte de l'essayer. Bon après ça va, le mois de mars va être très chargé, notamment en contenu en jeu spatial. Le premier était Zero Dawn sur 10, le deuxième Forbidden West. Il se passe longtemps après le 1? Oups. Oups. Mois. Ah ouais! 6 mois après l'épilogue du 1, on est d'accord. Quand elle retourne voir une certaine localisation avec un certain cadavre dedans. Ok. Tiens, va falloir qu'on se laisse tomber ici. Ou alors on prend l'escalier. J'ai raté mon saut. Il y a le compteur? Il y a le compteur. Saut de passage, j'arrive. On est de fou. Pour voir si on peut speeder jusque là-bas. Au moins on a tué la louve, c'est déjà ça. Soit ils décochent très très vite, soit ils sont deux. Ouh! Merci, mais je pouvais monter tout seul.
Ah merde, c'est dans la boîte. Oh, bouclier du chêne éthéré. Alors, qu'est-ce que ça donne? 170-60. C'est pas mal. Bouclier en pyrobronze. Restitue lentement des PV à son porteur. Ok. J'aime beaucoup l'idée de restituer des PV. Oups. En fait, tu disais que t'avais pas pu. Attends, comment t'as formulé ça? J'ai pas dû passer à la zone de départ. Parce que t'avais pas le temps ou. Parce que. Autre chose. Oh! Oh, les cendres du capitaine. Est-ce que ce serait pas les cendres de Faram directement? Capitaine des chevaliers, grâce à elle, ta ta ta. Quand les chevaliers de Braille-Moulin se retrouvèrent privés de la forêt qui leur tenait lieu de foyer, ils entreprirent un voyage si long qu'au fil du temps, le souvenir de leur ennemi juré s'émoussa progressivement et finit par se résumer à la vue d'un bois meurtri et froid. J'ai pas pris le temps, on va dire. Je vois. Non, il est pas mal. Je suis un peu surpris qu'il soit si court, c'est tout. Je crois que j'ai tout pris. On va pouvoir y aller. Je sais pas si on aura le temps de faire l'autre DLC par contre. Mais celui-là, vu sa réputation, j'ai pas vraiment hâte. Non, il a une excellente réputation, il est juste méga dur. Et comme je disais vendredi, je suis un peu cramé des Souls, donc je préfère me ménager avant Elden Ring. On verra, je fais pas de promesses.
Beaucoup trop de loups, il y en a un paquet, ouais. Le boss loup est pas merveilleux non plus. C'est globalement stiff, mais en un peu plus petit, comme ça tu peux pas te mettre entre ses jambes. Ok, on est là. Du coup, là, il y a le feu. J'avais pas vu un autre truc ici. Genre, il n'y a pas un loot en hauteur quelque part. Après c'est de la neige, c'est chouette. Ah, celui-là c'est un vrai arbre. Celui-là aussi. Ah, ça c'est un faux. Et bisous. Alors, on disait... Non, mais c'est pas le bordel. Beaucoup trop d'arbres dans cette forêt aussi. Oula. Ouais, c'est... Oh, l'ambiance c'est cool. Vénère, non. Ils ont faim. Ils ont faim et ils sont radins. Aucun doute. Attends, je crois qu'il y a les loups du bassin de Nord-Souche qui arrivent aussi. Mais les loups en eux-mêmes, ça va, c'est les arbres qui sont pénibles. Et puis il y a ça aussi. J'y pense, j'ai sûrement raté un mur invisible quelque part. Ou alors c'est bon, je me souvenais d'un contenu que j'avais raté ici. Mais si ça se trouve, en explorant le reste du DLC, je l'ai eu.
En fait, on va partir sur un build dextérité sur Elden. Je pense que ce sera plus simple. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. Ah non, apparemment, on a tout eu. Toujours pas choisi. J'attends de voir les sorties pour la sortie. Ouais, je fais toujours pareil, je fais pas de promesses. Apparemment, il y en aura beaucoup. Ouais. J'ai vu un petit gif sur Reddit au jeu hier. Ouais, hier soir. Avec un sort pas piqué des hannetons. Tiens, t'as pas fait le DLC, je vais te montrer la zone Bloodborne. Bienvenue sous la chapelle. Je vais pas y retourner parce que c'est l'enfer. Mais ouais, là-dessous, t'as plein de cadavres et les mouches dévorent tout ça et peuvent te contaminer. Donc c'est une zone où ta torche peut être utile. Et il y a une autre zone qui, par contre, me fait beaucoup penser au premier. Hop, le camp. Bienvenue dans Resident Evil. Ouais, la zone est jolie, la construction est super cool. C'est un peu plus impressionnant encore quand tu viens de l'extérieur. Parce que tu vois vraiment le village. Depuis l'extérieur. Mais c'est un peu le bordel hier en fait. Alors je fais ça. Et puis on va y aller. Et en gros, pour ouvrir ce portail là, tu dois passer sur les toits. Bah, tu vois, on va faire ça vite fait. Bonjour. J'essaye de faire visiter, bordel. Il pleut. Voilà, tu te retrouves à faire un peu d'explos sur les toits, à rentrer dans les maisons, les ouvrir de l'intérieur. Sauter là-bas, éviter leur magie. Ça me permet aussi de voir si j'ai raté les gouttes. Ouais, c'est vachement bien construit et c'est beaucoup plus proche de l'architecture de DS1 que du 3. Tu te retrouves là, c'est pareil, c'est pas long, tu mets une demi-heure grosso modo à faire tout ça, mais ça change, c'est cool. Évidemment, t'as un cimetière. Et ici, t'as un PNJ qui est un PNJ envahisseur qui est là en permanence, un morte-flamme comme toi. Ah, t'es là. J'espère qu'on va retrouver un peu de ce level design chiadé dans Elden Ring.
Même si sur un open world, évidemment, c'est pas possible dans la même mesure. Ouais, j'espère qu'il y aura des zones vachement. Comment on va dire ça? Embriquées l'une dans l'autre. Et j'aimerais bien un gameplay furtif aussi. Je sais pas si c'est possible, mais maintenant qu'ils ont fait Sekiro, il paraît que dans Sekiro tu peux pas mal faire d'infiltration. J'aimerais beaucoup des zones où typiquement ça serve à quelque chose. Tu sais, où tu peux vraiment te déguiser en caisse et puis avancer. Comme on l'a fait 2-3 fois, bon ça marche pas dans les Dark Souls, mais ça reste rigolo. Gracious, passing, let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content. Dire le fait de courir à tout va pour traverser les zones, c'est un truc qui est presque une tradition dans les Souls. Donc ce serait cool de faire des gameplays alternatifs, ce genre de choses. Une gemme raffinée, ça c'est pour de la Dex. Lançon de l'autrique, tiens, j'avais raté ça. Oh! Oh, trop bien leur armure. On a combien? On a 10 000 âmes seulement. Comme ça, t'as le porte-manteau avec. Ta 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 ta, je vais acheter le torse. Oups. Acheter le torse et 2-3 trucs avec. Bon, par contre, comme on disait samedi, il est assez gourmand Elden Ring. D'après les specs demandés. Donc, on verra ce que ça donne. On sera probablement pas en ultra. Malheureusement. Sauf le processeur. En prenant en compte le fait de streamer avec, ça risque de. Ouais, la carte graphique, ça posera aucun problème. Ouais, ça, c'est pas méga lourd, mais bah, c'est quelques pourcents à chaque fois. C'est ça. Et encore, je m'en sors bien parce que comme je suis sur Nvidia, j'utilise le codec directement de la carte graphique, ce qui fait que la qualité visuelle est pas toujours monstrueuse et que genre quand il y a beaucoup de végétation, elle galère. Mais ça évite de tirer beaucoup trop sur le pros. Ouais. Je vais acheter les. Là, pour tout dire, je consomme. Alors, c'est pas énorme, hein, donc on verra si ça marchera. Mais si j'en crois OBS, je consomme 4,3% de mon processeur pour le stream. On va croiser les doigts. C'est peu parce que justement j'utilise le codec de Nvidia. Mais bon, le processeur est pas de nouvelle jeunesse, tout ça. Donc, et techniquement, Elden Ring demande un pros qui va jusqu'à 4,3 en recommandé. Ah ouais, c'est massif.
Je voyais ça un poil plus fin. Pas aussi massif que ça. Allez, on a un boss à tuer. Et là, ça va être la cata. On n'est pas passé loin à plusieurs reprises samedi. Là, on va voir. One shot. Oui, bah oui. Il arrive, c'est un boss en trois phases. Non, non, je sais pas oublier. Portez pas la poisse, vous deux. Bon, du coup, je vous laisse la cinématique quand même. Même si on peut pas avoir celle de départ. Mais du coup, c'est une âme d'héritier qu'on va récupérer, non? Non, c'est bon. Elle est partie où? Là.
bol de chocobrups. Elle peut le soigner. Ok, maintenant commence le vrai combat. J'essaye une... Elle est où Gaël? Elle est où Gaël? Elle est là-bas. J'essaye une strat dont on parlait samedi, qui est d'utiliser l'anneau pour prendre l'aggro. Comme ça, lui reste en vie un peu plus longtemps, peut-être. Ça n'a pas marché. C'est un poil compliqué comme combat. On va dire ça comme ça. Ah non, il est hard. Il est hard et honnêtement, il y aurait une sauvegarde entre les phases. J'adorerais ce combat. Ou au moins, tu sais, une fois que t'as fait la phase 2, t'as plus que la phase 3 à faire. Mais non. Oui. Salut Shatter. Tu vas bien? Merci. Merci de la musique. Panous qui offre un abonnement niveau 1 à Châteauron. Merci beaucoup.
Ah, il est déjà mort. Je suis censé soloter. Oui, bah oui. Ok, ça commence bien. Ah merde. C'est reparti pour un thème. Et puis comment tu veux t'entraîner à choper son build, enfin cette attaque, si tu dois passer par deux phases avant quoi. Foutez-moi la paix. Elle pique ça, ouais, elle pique méga. Je comprends l'idée de te faire un boss super dur pour combler un peu les lacunes au niveau contenu du DLC. Mais pour moi, c'est pas une bonne idée de design. De les virer les phases? Ah ouais, non mais... Ah, attends, excuse-moi, j'ai raté des commentaires. Je lirai ça juste après. Coucou. Pas merci, je propose de les faire bosser double. C'est un boss légendaire de DS3. Oui, non, mais c'est un boss légendaire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Je veux dire, Sifo-Si, c'est un boss légendaire de Dark Souls, et pourtant il est pas dur. Tu peux pas les virer juste parce qu'ils disent pas merci. Radical un peu, non? L'idée, mais bon. Bien, cette idée de bizutage, pour moi, c'est un peu la même chose que les gens qui considèrent que Dark Souls doit être dur. Ou qu'un jeu doit être dur pour valoir le coup. Dark Souls, pour moi, c'est du lore, c'est... C'est un univers assez incroyable. Bon, t'es vivant, tu restes vivant. Oui, marche.
Non mais attaque pas, elle va exploser, bordel. Ah, t'as plus de potions. Salut Tax, tu vas bien? Ah, on va sûrement en ajouter un paquet, ouais. Et parti où? Et elle est morte. Trop tard. Sinon, on l'avait. Tu l'as fait ce boss-là, Tax? Alors attends, j'ai raté le facteur. Le boulot en soi c'est chiant, si en plus tu dois supporter les gens chiants aussi, c'est pas bon pour le moral et la santé. Ah. Je suis un peu ton trèfle à quatre feuilles, je te porte chance. Ah, mais... Sois mon trèfle, vas-y. Je t'avoue que sur celui-là, j'aurais bien besoin d'aide. J'ai pas chopé les DLC? Ils sont... Ah oui, non, c'est dans le 2 qu'il y a une édition avec les DLC. Bah écoute, ils sont pas nécessaires, ils sont cool. J'ai pas vu où elle était. Ah, j'avais plus d'endu. Merci pour le raid, je suis désolé. Bonjour tout le monde. Je suis à vous dans 2 minutes.
Elipouette, merci pour le raid. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ça fait une vingtaine de tentatives qu'on est sur le boss, donc on va falloir être patient. Gaël, si tu peux, merci. Nya, Gaël, mon meilleur espoir. Alors, j'ai raté plein de trucs. On donne de la force, merci beaucoup. Je pense que c'est un bébé chat quand même. Ah ouais? J'avais pas saisi. Vraiment stylé ce combat. Il est superbe. Je regrette pas de jouer avec son stuff. Ouais, il restait pas grand chose, mais c'est. J'ai infusé mon arme en foi. Je suis un build de foi. Enfin. Je suis un build de ça, pour être exact. Verventiel Camomille. Bénite, du coup. Ce qui renforce l'aspect foudre de cette arme d'ailleurs. Puisqu'on est sur la hache bénite de tueur de dragon. Puis je trouvais l'idée d'utiliser une arme d'assassin et de la bénir assez rigolote. Elle est mise en foudre si je dis pas de bêtises. Ah, c'est possible. C'est quoi, on va aller jeter un oeil. Tout tremblant après ce combat. Ah, tis good, wasn't he? Mais t'inquiète pas, on y retourne. imprégner l'arme, du coup. Elle serait carrément mieux de rayon en foudre, effectivement. Pretty, be careful. I don't want to see my work squan. Merci Smouel. Merci pour l'astuce. Attends, il me faut des armes. On aura assez avec ça. Ouais.
Hache de foudre en foudre, ça fait du poids de dégâts. Apparemment. Parce qu'attends, je perds pas mal en dégâts physiques, mais effectivement, en foudre, tu doubles ça, quoi. Pretty, be careful. Salut Derlan. T'es en retard? Mais non, t'es pas en retard. T'inquiète. Ici, l'idée, c'est qu'on prend le temps. On prend le temps, tout le monde est sur le canapé. Y a pas de souci. Et merci d'ailleurs d'être... Donc je suppose que tu viens du raid également. Merci à toi. Ah. Et hop, on va dépenser les âmes restantes. Retourne bosser, bon courage. Bon allez, ce coup-ci, on va l'avoir. Ça marche. Merci beaucoup, ça va le faire. Elle sera morte avant Elden Ring. Bon courage pour le boulot, surtout. Et après, il y a Ring City. Ouais, c'est ça. Oui, on en fera ce qu'on peut, hein. Pas énormément de dégâts de plus, j'ai l'impression. Je suis trop. Je fais pas attention. Non, je connais, t'inquiète pas. Je les ai jamais fait, mais je connais un peu le contenu des DLC à chaque fois. C'est pour ça que je dis que on verra. Il n'est pas dit qu'on batte le boss final du dernier DLC. Ouch. J'ai raté mon backstab pour le coup. J'ai fait n'importe quoi, est-ce que si? En tout cas, ça doit faire les mêmes, mais le plus de foot fait une différence, surtout le meilleur scaling qu'il la fera. Ouais, c'est clair. Ouais, j'ai fait n'importe quoi.
Et on, pourtant, on a le temps, on a encore 2 jours pour Dark Souls. Ça va le faire. 42. 42 pour un niveau général à 84. Je sais pas du tout à quel niveau on est censé faire ce boss d'ailleurs. Entre 80 et 110, ok. Return from whence thou camest, for that is si on allait se mettre un peu plus de fois. Faites-vous un café aussi. On est là pour un moment. Quarante-deux mille âmes requises. Devrait y avoir moyen de trouver 42 000 âmes là-dedans, non? On peut voir combien. Allez, on retente. On peut le faire. Le faire, faut juste être prudent, pas trop greedy, c'est ok. Du coup, tu utilises juste le soin pour le pour ce combat, ouais. Sinon, en général, j'utilise un anneau qui me permet d'utiliser deux miracles. C'était un build qu'on s'était lancé de faire miracle sur celui-là, comme on a fait magie sur DS2. Mais au final, ça me correspond assez peu et je le fais pas. Ouais, ils font des dégâts importants, mais je m'en sers pas. J'ai juste pas l'habitude. Sur la P3, ça simplifiera un peu le fight. Je sais pas si j'aurai assez le temps. Ouais,
Mais le soin, c'est clairement utile pour mon niveau général qui est pas ouf. Tout ça me permet de combler des lacunes. T'es vivant, cool. Pas loin, hein. Mais pas la bonne. T'as récupéré des tomes divins? Ouais. Normalement, on a récupéré tous les tomes divins. Pardon, tous les tomes divins, mais comme je le fais globalement à l'aveugle, j'ai peut-être raté des trucs. On a ça. Ta-ta-ta. On a 100 miracles. Après, je peux peut-être me servir de lance de foudre. Le problème, c'est que lance de foudre, ça va être emmerdant. Lame de foudre, je suppose que ça ne marchera pas en plus. Il n'y a pas colère divine. Il y a colère des dieux. Je sais pas, c'est la même chose. Dépense pas. En zone d'effet, donc comme elle se déplace vite, pas besoin de viser. On peut essayer. Mais du coup, c'est... C'est quoi? On va aller voir la marchande. Comme ça permettra de voir également si j'ai raté des tomes. Après, ça va, on n'est pas très très loin. Hein. Ouais, j'ai fait une connerie, je lui ai donné le bouquin. Non, il doit me manquer des trucs. Il doit me manquer des manuscrits, mais je sais pas où les avoir. Et j'ai pas envie de regarder sur le net. Je suis tout acheté. Est-ce qu'on a des miracles qui pourraient être pas mal ici? Non. C'est juste en fin de journée. Pas qu'il est dur en tout cas jusqu'à fin de journée. C'est un truc que j'utilise tout le temps pour les boss fights. Colère divine?
Tu le trouves où? Du coup. Parce que je l'ai pas celui-là. Moi j'ai colère des dieux. L'arme de déni. Ah, c'est vrai que ça c'est pas mal, ouais. C'est vrai que ça donne une chance supplémentaire. Je vais faire un test avec le... Ah, parce qu'il me faut deux emplacements, c'est ça, ouais. Un peu la mémoire. Tu peux pas combo si à cette réunion. Ben, si on t'appelle, c'est compliqué. Oui, c'est encore plus gênant. C'est pas une chance, à chaque fois ça te laisse un PV. Ouais, mais du coup, un PV, t'as une chance de te soigner derrière. Il faut pas te prendre un point de dégâts. Ah ouais, non, ça je savais pas. Quand tu lui vends, c'est ça? Ah, merci beaucoup. Je suppose qu'il me faut 12 de mémoire. D'ailleurs, on va devoir lui vendre 2-3 trucs à la marchande parce que. Beaucoup trop de bordel. Je pensais surtout les armes en double. Internet, c'est comme le monde, c'est petit. Ah, ça va pas nous faire des masses d'âmes, mais ça nous fera de la place et un petit peu. J'aime pas avoir des doublons. Ah oui, tiens d'ailleurs. Merci, tu me fais penser à un truc. Elipweb, merci pour le raid. Et du coup, on va quand même donner un petit follow supplémentaire. N'hésitez pas à faire de même, hein. Hop, voilà. C'est pas grand chose, mais un follow ça aide beaucoup. Ok. Si je cherchais un bon point de farm, il faudrait que j'aille où dans Dark Souls 3?
un bon point de farm où je dois pas vendre mon âme pour ça. J'aurais tendance à dire là-haut. Chevalier, elle est dorée sur le toit des grandes archives, mais ils sont forts. Anne Orlando. Ok. Vous voulez ma mort, c'est ça? Sur le toit des grandes archives. Ouais, on peut aller se faire les trois. Du coup, tu passes par le feu des grandes archives ou tu prends l'inversement? Y a moyen de monter assez vite. On peut voir des accidents supplémentaires, t'inquiète pas. Ouais, les chevaliers d'argent, je me souvenais les avoir farmés pour les langues. Quelque chose comme ça. Alors attends, c'est où le passage déjà? Je crois qu'on peut passer là. Si je me plante de chemin, n'hésitez pas. Hein. Ouais, je me suis complètement planté de chemin. Ah oui. Je sais. L'ascenseur, ouais, c'est ça. Ouais, où t'arrives dans le dos des trois PNJ et ensuite t'as plus qu'à passer à droite. L'ascenseur qui est là. Faudrait que j'améliore ma cloche sacrée aussi. T'as des scènes pour améliorer, pour augmenter les armes récoltées? Les âmes, oui, merci. On va effectivement se coller. Juste après. Faudra que je reprenne les anneaux. Final C. Non. On est sur le boss final du premier. Tu vas bien mettre lui. Ah oui, 13 000 âmes, ouais, c'est pas mal. Bonjour, merci. À deux. Aïe, quand ils sont dans leur
Leur combo, c'est pas toujours évident. Ouais, le homme de mimique, je l'ai pas. L'anneau, j'ai juste oublié de le mettre. Faut que j'aille chercher dans le stockage. C'est à 12 points qu'on obtient un point de mémoire de plus. Ou à 13. Également un ou deux autres items, je sais pas lequel est le plus efficace, j'ai pas testé la diff. Ouais, y a pas un truc comme quoi ta chance aussi permet de l'augmenter. Je vais regarder vite fait si on a besoin de plus que 12 pour la mémoire. Et il faut 14. Oh. Non mais vas-y, tu peux pour le nom des items comme ça, c'est dans le cas présent, y a pas de souci. Disons que le plus vite je peux passer à autre chose, le mieux c'est. Bouclier de la convoitise, bâton du mendiant. Ok. Bouclier, je suis pas certain de l'avoir. Il est là, je l'ai. Bâton du mendiant, il faut l'avoir sur soi ou il faut l'avoir en arme? Ouais, bâton du mendiant, je sais pas, de toute façon. Ça fait très Warhammer ce bouclier. Il donne plus d'âme. On n'a pas de temps à prendre le temps. Servir de ça comme ça et ça va le faire. Et tu sais quoi, puisqu'on n'est pas gentil, faudra que je remette tous les anneaux dans mon inventaire. Ah, je déteste quand ils font ça. Mmh. 17 000 au lieu de 13 000, c'est ça? C'est pas mal. J'aime bien quand on me tape à travers le bâtiment.
Allez, je veux pas prendre la grenade d'or en même temps, c'est tout. Ça empêche les Gaulois Germains de me faire rouler dessus. T'en es où dans ta campagne du coup, Stevie? Hey, j'aime bien ça, c'est cool. Et ici, ok. Hop. On a l'épée torsadée, mais tant qu'on a beaucoup de... Je stream jusqu'à quelle heure? Je stream jusqu'à 18h et ensuite je reprends à 20h pour aller jusqu'à minuit. Et ça, du lundi au samedi. Je crois que j'ai mis à jour le calendrier en dessous. On a aussi un Discord, un concours mensuel pour les abonnés, des sessions communautaires, ce genre de choses. Ça marche, à tout à l'heure. Avec un peu de chance, on aura terminé le DLC d'ici là. Alors, je me suis refait tous les films Spider-Man après avoir vu No Way Home. Ce film ouvre tellement de possibilités pour les films Marvel entre dans le multiverse. Ouais, ça pourrait être cool. Quasi toute la Germanie. Il y a aussi les Grecs en Gaule. Carthage en Afrique. Ouais, que des petits, quoi. C'est parler de en même temps, merci bien. On n'est pas allé ici. Ouh! Je savais que j'en avais loupé un. C'est où? T'es passé là. T'es raté. Ah, c'est la colométrie de Dark Souls 3 qui est un peu particulière des fois. J'ai vu un screen, apparemment on pourra faire des persos vachement chouettes dans Elden. Nya, 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 nya. Sécurité. C'est l'âge sombre. Bon, on va les dépenser tout ça. Nickel. Wasn't he? Pretty, be careful.
up. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec 28 000 âmes qui serait intéressant à acheter dans tout ce bordel? Ah, je sais. Renforcer notre clochette. D'ailleurs, c'est laquelle la meilleure? J'ai l'impression que c'est celle-là, en tout cas pour mon build. Mais je suis loin d'en être certain. On avait un peu de matos de côté. Ça, je sais pas si ça soigne encore les PNJ. Ah, c'est bon. Hop, on a tout dépensé. Je veux juste pas perdre de matos en combattant le boss. Et pour voilà, pour checker à peu près comment ça marche, à quel point ça fait des dégâts, et surtout notre vitesse de cast en fait. On va se trouver un PNJ. J'irai aussi vite aller directement dans le DLC. Bon, on va retourner mourir. C'est puissant, mais c'est lent. Ça reste cool. Ouais, le temps de cast est énorme. Il doit me manquer des stats quelque part, je pense. Alors, le nombre d'emplois. Ah, c'est la chance qui permet de voir les empoisonnements. Améliore également la force d'attaque tout en réduisant le temps d'invocation ainsi que les dégâts subis en cas de chute. D'accord. Donc en fait, c'est de la Dex qu'il me faut. Mais ça va le faire. Ok. Si vous avez un café à vous faire, en fait, c'est le moment. Je prends 2 minutes histoire de combler une fuite et puis j'arrive.
Hop, bonne revue, Thanos. Et avant de partir au combat, peut-être rechanger les anneaux. Alors, on a ça. Est-ce que j'aurais quelque chose d'autre que je peux utiliser? Pas vraiment. Limite, je peux faire ça. J'ai invoqué machin. Bon. Coucou, c'est re-moi. Ah, j'ai pas le bon bouclier. C'est pas grave. Surpris qu'elle me visait moi et pas Gaël. Première fois que ça arrive ça. Une pierre de coups. Je sais vraiment pas quand invoquer colère des dieux. Quand elle se soigne? Autant la taper, non? À moins que ça fasse tant de dégâts que ça. Je sais pas, on va essayer sur sa première phase. Si on se rate, c'est plus rapide. On fait 328 environ. Ça fait un peu plus de dégâts. Globalement x2.
trop lourde. Et mort. On va y passer la soirée. Non, le temps de cast est assez énorme et je ne vois pas comment je pourrais avoir le temps de le faire pendant la troisième phase, là où j'ai besoin justement d'un DPS supplémentaire. Par contre, l'autre... Ça. Ça peut-être. On verra combien de temps ça dure. À mon avis, je devrais le caster juste avant le début de la troisième phase. Dans le mur. Et j'ai perdu les larmes.
Non, c'est bon, je suis vivant. Yes. Bon, c'est bon, à la semaine prochaine. Donc il me restait ma larme et la larme m'a sauvé la vie pour ce combat. Je pense, je crois. Le fantôme qui clutch avec ses spells. Et il est vachement cool, Gaël, sur ce combat. Merci Yarn. Yarn, c'est ça? 30 minutes avant que j'aille au boulot, nickel. Il y a deux feux. Attends. Lequel est le bon? Pourquoi il y a deux feux là-dessus? Je maintiens qu'il devrait y avoir une pause entre ces trois phases. Oui, le combat est super cool. Oh, hello there. Hola, j'ai mes notifs. Merci beaucoup pour le follow. Et merci beaucoup et bienvenue dans la communauté. Si Discord est ton truc, n'hésite pas, il y en a un là. Il y a aussi des parties communautaires qui sont organisées tous les 15 jours. Enfin, il y a pas mal de choses. Tout est dispo sur le Discord. Ok, on va essayer celui-là. Capharnaüm des confins. Dis donc, ce serait pas une petite allusion à Demon's Souls, ça? Et je pense que j'ai un PNJ à qui parler. Ça va être un peu hectique. Je serai de nouveau à vous complètement dans 10 minutes, le temps que ça se calme là-dedans. Ah oui, d'ailleurs. Those who aren't kin to fire cannot paint a world. Those absorbed by fire must not paint a world. Don't worry. I haven't forgotten, Mother. I can hear the fire crackle. And soon, I will see it. My thanks, Ashen One. I will finish the painting of a cold, dark, and very gentle place. Elle est trop bien. So that it might make a home for someone. Someday. My thanks, I will have a so that... Très, très Bloodborne quand même dans l'esthétique ce DLC. Oui, je disais. Comment on fait pour accéder au deuxième DLC? C'est par le kill, non? La dernière zone? Merci Acta pour le clip. Il n'y avait pas un PNJ ici qui me demandait justement de rétablir tout ça? Ah merde, c'est lui! Je suis trop con, il était marqué parler en plus. Ok, bouge pas, je reviens. Désolé. Fais pas attention. My bad. Ah le boulet.
Petit séjour à la plage pour... Ah, c'est... Oui, non, mais ça a été un peu éprouvant, ouais. Oh, my, thank you. De rien. I can hear the crackling from here. The sound of my home. The painting of Arendelle. Burning away. Ah, cool. When the world rots, we set it afire. For the sake of the next world. It's the one thing we do right. Unlike those fools on the outside. When the world rots. It... Ok, ça c'est bon. Et du coup, on va utiliser le deuxième feu. On va d'abord aller à se laver les cheveux. On va pas jouer au con, Marcolin. Bon, alors, on peut avoir ces deux faux. On a autre chose avec ça? Les deux faux sont cool, mais... C'est pas trop mon truc. Oh! La rose d'Ariandelle, qui est un catalyseur. Un fléau! Ok, c'est pas un catalyseur. Un fléau employé par le père corpulent du monde peint pour lacérer ses chairs afin de noyer la flamme dans son sang. Sert d'arme et de catalyseur de miracle. En tant que restaurateur du monde peint, Ariandelle savait que l'œuvre avait été réalisée à l'aide de sang et que seul ce précieux fluide vital pouvait en protéger le secret. Ouais. On va peut-être prendre les faux quand même. Hein. Oula, elle scalon. Pas mal de trucs. Allez, on va prendre ça. Y a pas de troisième item? Non. Oula, il y a beaucoup de flèches en plus là. Oh! Accessoire appartenant à la tenue de Fride, une figure religieuse du monde peint. Il s'agit d'une capuche noire des plus communes. Ah, c'est cool. Ashen One. Tu voulais pas te flasher? Non, c'est pas trop mon truc. J'aime bien ma chair où elle est. Merci. C'est dommage le... C'est dommage que la cape fasse un triangle alors que bah, elle devrait pas. Ouais, ils ont fait un bon boulot sur la modélisation des tissus, à vous donner du volume, tout ça, mais au final, il n'y a pas assez de poids dans le tissu. Tout est léger, tout vole. Salut Mezo, tu vas bien? Tu viendras à tel combat contre Fride? Qui nous a pris genre 25 tentatives au total, mais on a réussi. Bon, alors on va où avec ça? T'as fait ma meilleure sieste? Ah ben t'as pas, y a pas de souci. Surtout que t'as eu un gros week-end, toi. Oh. J'ai trouvé le DLC. Oh,
head square on your shoulders, is it? I thought that clamoring tin can was the last, but here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. C'est super cool. Well, that came out of nowhere. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? I've none of that, not a smithereen. Alors, un espadon faux de l'acier. Ok. Plutôt cool. At the close of the Age of Fire, all lands meet at the end of the earth. Oh, ça glisse là-bas. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. The great tide of human enterprise. All for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Oh, if you just can't stop yourself, at least hear this. Far below, there's a deep, dark hole carved out of a tree. From time to time, voices brim from the depths of the cavity, even now. Mutterings of the very demon that Prince Lorien spoke of, I'm sure. J'avais oublié les boss ici. Horrible sounds of an afflicted thing, yet cursing men. 15 heures de conférence, 18 heures de bus, et des très petites nuits à retourner tour. At the close of the age of great, that's this. Keep your marbles intact. Allez. Qu'est-ce que tu fais là, Gaël? Dragon, d'accord. Oups. D'accord, donc il y a des magots. Mais c'est accueillant. Surprise au bout de 5 minutes, ça va. C'est... Deuxième surprise. Ah, à tomber. J'ai le droit de dire que j'aime pas le DLC au bout de combien de minutes? Ouais, on l'a eu il y a 10 minutes, globalement.
sur un combat assez épique. Il y a, si t'as gardé le chat ouvert, il y a Actaros qui a fait un clip. Je pense qu'il contient tout le combat, ou en tout cas la fin. Merci beaucoup. Oh, une faux. C'est quoi ce truc là? Get the live. À ce moment là ça devrait être dispo dans la section clip, mais donne moi deux secondes. Dès que je suis à l'abri je te l'envoie. Enfin je le partage dans le chat. Je veux pas. Le stress était présent pour l'instit. Nah. J'ai géré du début à la fin. Sans céder à la panique, sans augmentation cardiaque, tout va bien. C'est intéressant, c'est bonjour toi. C'est Vigne. Ça me rappelle un élément du 1, ça aussi. Non, mais c'est cool comme zone. Ça va. Bon, du coup, c'est quoi? C'est Lothric, mais une version passée ou c'est une partie du royaume qui a déjà succombé? Il y a rien qui va spawner pour me tuer, vous êtes sûr? Ok, cool. Oh là là. C'est par là. J'aime pas. C'est méga stressant comme endroit. Par contre, j'en avais déjà parlé, mais le fait de découvrir des nouvelles zones dans Souls, c'est quand même super cool. Et c'est pour ça que je suis bien content de pas mettre. Je me suis rien spoilé sur Elden Ring. Clairement mieux que le journal de quête, ouais. Est-ce qu'on a récupéré dans tout ce bordel? Il y a un peu de monde, mais non.
Pas nébuleuse, une faux aux manches courtes brandie par les nébuleux surgit des profondeurs. Ok. Ah, c'est ça. Bourbon. Bâton doté d'un long manche et manié par les nébuleux qui ont émergé après avoir quitté les profondeurs qui les ont vus naître. Cool. Explorer dans un tel univers, c'est top. Ouais. Tiens, en parlant d'exploration, le 1er mars, j'en ai parlé en début de stream, on fera la suite de Far Lone Sail. Je sais pas si j'oserais passer en dessous. Je suis pas là. Ouais, il était super chouette. On fera le 1. Ah cool, ok, donc on peut les tuer. On fera le 1 le 24. C'est quoi, je suis pas intéressé finalement. Pelle, pelle. Ok. En parlant d'autres jeux, j'ai rematé du gameplay de Fallen Frontier. Ah ouais, j'ai vraiment hâte de voir Fallen Frontier aussi. Même pas mal. Mais non, c'est bien connu. 10 cm de cendre et puis ça amortit toutes les chutes. C'est super cool. Tiens, ce serait pas une allusion à Dark Souls 2, ça ?